Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va reprendre là où on s'est arrêté la dernière fois. C'est-à-dire après s'être fait envahir par le Danemark. Mais bon, on va faire avec. Donc le conseil, je l'ai remanié, ce que j'ai regardé un peu entre temps. Et je vais vous présenter l'onglet escorte là, que je vais pas utiliser pour l'instant. L'escorte, en gros, c'est un peu votre garde personnelle, vous pouvez mettre vos troupes dedans. Et chaque coup, c'est une taille maximum d'escorte. Et vous pouvez créer des emplois. Chevalier, escarmouche, cavalerie, défense et choc. Donc vous choisissez ce que vous voulez si vous avez le total nécessaire et l'argent nécessaire. Et vous pouvez le faire. Pour l'instant, je n'en ferai rien. Parce que je manque franchement d'argent, faut dire ce qui est. Allier... Comte de Never et Comte d'Auxerre. Allier... Comte de Blois, d'accord. Et comme je récupère Léon, je récupérais des... entre guillemets des titres, des revendications, voilà, sur ces duchés-là. Mais en attendant de leur déclarer la guerre, j'aimerais reconstituer un peu mon armée qui a énormément souffert. Vous voyez, 900... Je peux uniquement lever 300 troupes chez moi, donc on va attendre un peu. Puis on ira envahir. Les envahir, faut dire ce qu'il y a. Hein. Milium. Voilà. Et tout se passera bien. Ce pas ça. Empire byzantin illégé. J'ai des illégés. Non, j'ai évité de m'interporer là-bas. Donc j'ai de rendre. Excusez-moi, je ralentis la vitesse. Sors Limousin. C'est ça le punch. Donc là en Pologne, je dois en éducation, génial. Guin, c'est où Guin? Ouais, Boulogne. Mais bon, ça c'est pas une guerre qui m'intéresse. Pour Perry, je peux revendiquer quoi? Ça contient Perry, d'accord. D'accord. En gros, je peins un truc sur lui. D'accord. Bon, alors, comme on avait dit initialement... Ah, attendez, on va faire... Comment vendre toutes ces honorés, vêtements... Emma boost stressé. J'aimerais éviter de prendre stressé parce que ça me serait beaucoup trop préjudiciable, faut dire ce qui est. Et donc là, comme prévu, on lui déclare la guerre pour récupérer ce lieu. À côté de ça, je vais aussi déclarer la guerre parallèlement à elle pour revendiquer ça. Et après, je déclare une dernière guerre pour revendiquer le dernier parti qui me manque. Par contre, le seul défaut, c'est que j'ai des troupes qui vont se faire balayer. Donc voilà. On y a ce qui est. Alors là, c'est bon, l'armée est reconstituée. Bon, l'armée elle est morte, tant pis. On va démobiliser ses troupes. 2000 hommes, je vais dire 20 000 hommes, excusez-moi, le petit lapsus.
Donc 2000 hommes, c'est tout à fait raisonnable, faut dire ce qui est. Imprévisible, défense, d'accord. Et je vais maintenant attaquer. Les attaquer, faut dire ce qui est. Bon. Comme vous constatez, comme je vous ai expliqué, flanc central, les deux ailes et le centre. Hein. Donc voilà. Donc, j'ai quasiment déballé, quasiment une bataille. Hein. Donc là, on va défendre notre chère contrée. Et là, il y a une guerre, en fait, je ne sais pas pourquoi il y a cette guerre, je vais pas vous mentir. Je crois que c'est pour moi. Vu que je suis duché de ce lieu, ça sera sûrement pour que je puisse récupérer ça. Étant donné qu'ils sont indépendants comparé à la couronne. Donc je pense personnellement que c'est pour moi. Après, je peux me tromper, ce que j'espère pas quand même. Hein. Et que ça va surtout pas être le Danemark qui va récupérer comme ses territoires. J'aimerais équilibrer. Bon bah on va être obligé de faire ça à bonne vieille méthode. Voilà. Ok, c'est que c'est celle-là. Les 1100 vont ici. Pendant ce temps-là, nous on constitue. On essaye. Donc voilà. Je peux encore vous déclarer rien étant donné qu'il est toujours pas sous mon duché. Que techniquement ça serait un de mes vassaux. Mais vu qu'il est pas un de mes vassaux. Donc voilà, on verra ça plus tard. Vraiment, pour l'instant c'est pas l'urgence. Donc là. La tour, je peux encore améliorer, donc ça serait pas plus mal. Ma cavalerie légère, 35 de cavalerie légère, je trouve c'est beaucoup trop peu pour que ça soit une amélioration utile. Et plus tard, là je vous ai pas encore montré, il reste encore ce petit comté là que je peux récupérer, qu'on s'occupera après cette fumée, ces deux là. Qu'est-ce qu'il y a ? Bois, c'est tout, t'inquiète pas, je vais m'en occuper de toi. Donc ici, je vais bientôt pouvoir construire. Allez au cachot. Ici, je vais pouvoir construire le camp de miliciens deuxième niveau. Je construis surtout les camps de miliciens, je suis au courant. Allez hop. Duché d'Anjou maintenant en guerre. Hop, offrir la paix, appuyer revendication. Donc comte de Boise maintenant que je dois m'occuper. Et je vais libérer déjà en priorité mon territoire. Et on constate que la France est en guerre contre le duc d'Anjou. Donc il veut vraiment le Danemark veut vraiment récupérer les vassaux perdus, hein, ça se voit. Dès que je peux. On libère. D'ailleurs pour l'instant mes prisonniers. Elle est libérée. Donc voilà, je contrôle la capitale. C'est vraiment que bordel. Faut dire ce qui est, c'est vraiment que bordel.
Que oui, bien. Voyez, personne veut faire passer Agora, hein. On ne veut pas fournir ce qu'il y a. Hop, voilà. Hop, proposer la paix. Donc, hop, on peut. Donc, on libère. Je suis pas quelqu'un qui aime avoir des prisonniers, donc de plus, en libérant, vous montez un peu le bonheur de tout le monde, hein. Tout le monde vous apprécie un peu mieux, parce que vous voyez, vous libérez les gens, c'est bien. Et pour l'instant, je contribue énormément. Et pour l'instant, je récupère beaucoup de personnes pour la sélection élective en France. Alors, je voudrais regarder ça avant, vous avez remarqué que je suis allé là. Je peux pas l'usurper. Berry, Bourgogne, Champagne, Normandie, Orléans. Je contrôle 3 des duchés, donc je comprends pas. Voilà, donc on relève Lost. Vous voyez que j'enlève mon armée pour la rappeler. Hein. Mais bon, on va directement aller ici. Et eux, c'était pourquoi? Comte Vendôme. Aïe. Donc on a la même guerre en fait. D'accord, j'espère que je le récupère. Hein. Donc on va enlever nos troupes. Ça sert à rien que je force l'histoire parce que... Il est en train de faire la guerre. J'aurais dû regarder ça avant, donc c'est une erreur à moi. Royaume d'Aquitaine, déclare la guerre. Donc je peux pas, d'accord. Donc il y a le Royaume d'Aquitaine qui s'est créé, je le détruirai je pense. Ou je l'usurperai, je verrai bien. Pourquoi? Si je peux redéclarer la guerre. Eh bien ce que je pensais que je pouvais redéclarer la guerre. Attendez. Voilà. Non, contre lui je peux pas, c'est bien ce que je pense. Voilà. Donc on rassemble notre armée à Orléans. Orléans, je lèverai. Moi je lèverai pas les troupes. C'est peut-être pas forcément juste que mon trait de caractère que j'ai pris, c'est plus pour le jeu que je préfère avoir ça. Voilà, je vous montre comment comment ça se fait, on peut aussi lever par pays, mais bon, c'est plus utile de faire une levée générale quand vous êtes en tant que duc. C'est ça. Putain, c'est incroyable cette histoire. Putain, l'autre, il est déjà là. Personne. Voilà. Contrôle et comme ça. Donc on attend que l'armée soit complète. Pourquoi? Moi j'aurais gagné cette bataille. Allez, hop. Alors l'importance de la cavalerie légère, et pas sous-estimer, c'est surtout pour rattraper les troupes ennemies qu'elle est utile.
Voilà, il n'y a plus d'armée, 62 de score de guerre parce que j'ai quasiment capturé toute son armée. Hop, ici. Donc voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Après, je pourrais revendiquer encore certaines choses. Hein. Donc, où en est ma faction? On n'a que 3000 hommes. C'est le problème de la faction. Une fois qu'on a 60%, je suis d'accord de déclencher l'ultimatum. Pas avant, étant donné qu'on n'a pas assez de troupes, je considère que c'est trop risqué de tenter le coup. Donc voilà, hop. Beaucoup de guerre, comme vous constatez, vraiment beaucoup là. On récupère déjà en fait tout ce qui est un peu indépendant. Prisonnier Anguiver, hop. Ça c'est au niveau des navires, le national. Le pape est mis une bulle concernant le cheval Saint-Jean qui protège Pèlerin, bénéficiant de la pipe. Fidesz pour se terminer Onimus. J'irai pas tout parce que c'est vraiment trop long. Hein. Mais moi je vais le lire pour moi en tout cas. Et j'ai perdu mon chapin de la cour. Donc vous pourrez lire en même temps que moi. Hein. Donc voilà, niveau technologie d'ailleurs, faut que je regarde. Construction, donjon. Le donjon, je l'ai bientôt tout seul, donc pas à peine que j'aille forcer. Je vais forcer encore infrastructure cité d'un point, je forcerai organisation militaire d'un autre point, et je forcerai ici... majesté, c'est bien. Légalisme, c'est bien. Ça me permet d'avoir quand même un empire un peu plus grand, légalisme au moins de level 2, ça serait pas mal. Infrastructure niveau 5, infrastructure niveau 2, bourg fortifié niveau 2, ici niveau 2, ici niveau 3. Donc la caserne, oui la caserne c'est un bon choix, hein, ça rapporte encore plus de troupes. Et là ben on attend. On attend la fabrication des revendications qui doivent arriver. Père, j'usurpe encore un duché. La question que je me pose en fait, voilà, c'est... Royaume de France, donc quasiment plus rien. Je peux remettre le duché dans le Royaume de France, je peux me permettre... C'est un duché, de tout... Ouais. Je sais comment je vais faire. Je vais tenter de remettre en fait tous les duchés. J'ai essayé de récupérer les duchés, vous voyez, je vais essayer de récupérer en fait le plus de duchés. Parce qu'une fois qu'on aura assez de soutien pour ma faction, ici, succession élective, ça serait pas plus mal. Là, je vais faire un gros coup fourré par contre. 1300 hommes, ouais, je fournis tous les hommes quasiment du royaume si on regarde là. 13 000 hommes, dont mes contributions, qui doivent être assez importantes, 3500 hommes, ouais. Et là, c'est pourquoi on a une guerre. Quand? Bon, bah d'accord. Hein. Le Kaiser qui a quand même 20 000 hommes, hein, donc je sais pas, je trouve c'est complètement tordu de son idée de guerre à l'autre. Mais bon. Et pourquoi je garde autant de fief, ma taille de domaine, simplement parce que ça sert à rien. Que je diminue, hein, faut être... Pourquoi je diminuerais? Vraiment, voilà, c'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi j'enlèverais une partie 7, dès que j'ai...
suffisamment, je pense, d'autorité. Et que j'ai besoin d'argent, surtout. Donc on va récupérer... T'es en jeu. Ah, je me suis planté. Le duché d'Anjou, il n'existe plus, oui, j'ai raison. Comme ça, je prends... C'est risqué quand même, au royaume-là, il y a combien de troupes? J'ai quasiment autant de troupes qu'un royaume, c'est quand même pas mal ça. Et nous avons 15 000 hommes ici. C'est quand même tout de même bien raisonnable. Bon, 12 000 contre... Normalement, là, ce que je ferais, je voilà. J'irai disposer cette armée. Le centre attaque. Le flanc aussi. Le centre a cédé notre armée. Notre armée s'est fait péter la gueule. Mais bon, j'interviendrai pas, je vais pas mentir, c'est pas ma guerre. Bon, je rigole, je vais intervenir. J'lève mes 3000 hommes. On les rassemble et on part en guerre. Hein. Je sais qu'on peut investir dans une technologie ou ça. Organisation... Imprévisible, maintien moral, ne jamais capituler, ça, ça. Égalisme, plus un point. Parfait. Oh, la guerre est perdue, c'est bon, notre armée est en miettes. Hein. Donc, on enlève l'armée. Et comme vous constatez, on se fait raboter, peut-être le Danemark se fait raboter. Hein. Bon, à côté de ça, moi je récupère aussi une partie de mes terres ici. Hein. Et voilà, encore plus de troupes. Donc la caserne est finie, il faudra... Il faut les murailles du château, d'accord, et je peux encore murer ça. Voilà. Donc on va bientôt, je pense, arriver à la fin de cette vidéo. Hein. Ça commence à faire un petit coup. On tourne. Hein. C'est pas passé grand chose. Bon, j'ai récupéré quelques territoires qui étaient miens. J'aimerais bien que ma faction grandisse, je vais pas vous mentir. Hein. Et attendez. Attendez, vu qu'il n'y a plus d'armée. Ah si, il y a quand même toutes ces armées, oui. Ouais, j'aurais dû faire ça en fait quand il était durant sa guerre. Donc c'est dire que j'ai fait ça trop tard. Bon tant pis, c'est le jeu. Voilà, on va attendre encore la fin de cette année. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, portez-vous bien et vive le jeu vidéo.